Human rights are the distillation of human experience. After centuries of brutal conflict, of deprivation, of discrimination, treaties needed to be established to ensure that people's rights are respected by those governments that accepted the provisions of these treaties. Les violations des droits de l'homme ou l'absence de garantie des libertés fondamentales pour tous sont un signe que la paix et la sécurité sont en danger. Dès lors, pourquoi ne pas écouter davantage le message des droits de l'homme? En fait, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l'homme, sont faits pour s'entendre. It is the very contract between the governing and the governed by which the peoples of each state find sort of comfort that there are limits beyond which governments should not stray. Ich glaube, dass sich auch schwierige Fragen ansprechen lassen, wenn man über eine Glaubwürdigkeit verfügt, wie sie die Schweiz eben hat, und dass wir das nicht bloß aus Altruismus machen. Eine klare Vision zu haben dessen, was man erreichen möchte und wie man das erreichen möchte, ist enorm wichtig, weil es natürlich auch eben die Aktion der Schweiz gegen außen berechenbarer macht. Und da sehe ich auch das Hauptinteresse, eine Menschenrechtsstrategie zu haben. L'exploitation des humains n'a jamais rapporté de l'argent à long terme. Je crois que ça apporte des désastres, ça apporte des guerres, ça apporte toutes sortes d'autres conflits sociaux, mais certainement pas de l'argent. Je ne pense pas que la démocratie puisse exister sans respect de chacun et sans respect des droits fondamentaux. Et ça fait partie vraiment du core business de la politique suisse. I think you can't have sport without upholding, protecting and promoting good human rights. Human rights violations are never comfortable. But if you don't talk about the challenges, you can never address them. If you don't identify that they're there, you can't start to solve them. And so it does require courageous conversation, but more importantly, courageous action. Switzerland has a reputation at being engineered to be balanced. It would not be on brand if Switzerland didn't uphold human rights as one of their fundamental core policies and values. C'est clair que là où on voit aussi qu'il y a des progrès, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, on parlait des droits civils et politiques. Aujourd'hui, on parle de deux choses qui sont nouvelles. D'une part, de la responsabilité des entreprises et plus seulement des États. Et ensuite, du fait que ça ne concerne pas juste les droits civils et politiques, qui justement relèvent moins de la sphère d'influence des entreprises, mais que ça concerne le droit à l'eau, le droit à la terre, le droit à un revenu, le droit à la santé, qui sont tous des droits plutôt économiques, socio-culturels, qui sont péjorés par l'activité des entreprises. Mais au niveau international, on a fait aussi un pas en avant. One important player in ensuring that we keep on learning the lessons that we've learned through all the conflicts of ages, which is really what human rights is about, is the role that states play. But states work with others as well. States work together in international organizations such as the United Nations, the Human Rights Council and the General Assembly. All of them are forums where people have to speak up and they have to put on the table what their motivations are. And I think states play a role on many levels, of course internally in terms of their own human rights practices, but states influence each other as well. The International Code of Conduct focuses on a respect for human rights and governing the behavior of private security companies. I think that's important that the community knows we are not simply a company with guns and armored vehicles and are unapproachable and above the law. And I think the code for us is a long-term investment in raising the reputation of our industry in every company that it touches.
when people know they're going to be accountable for their actions, that governs their actions. And I think that's very important. Grâce aux droits de l'enfant, on peut aborder des thématiques beaucoup plus larges, des droits humains comme la question des femmes, des personnes en situation de handicap, voire des thématiques très précises. Et ça, le gouvernement suisse l'a très bien compris. Les ambassades ont non seulement joué le rôle de facilitateur en mettant à disposition leur know-how, la connaissance du terrain, le réseau, mais parfois nous ont également associés à des dialogues que la Suisse entretient avec certains pays. J'ai un exemple, le Sénégal. Et sur la base de ce dialogue, nous avons construit un programme de formation. Le gouvernement suisse s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de professionnels, mais toutes ces personnes qui travaillaient pour mettre en œuvre la justice des mineurs ne se connaissaient pas. Chacun venait avec une approche. Donc la Suisse avait donc pour mission de mettre en place un noyau dur de professionnels pour apporter un changement dans la qualité du service apporté à la justice juvénile. Les pays qui sont riches en matières premières sont souvent des pays qui sont confrontés à des problèmes de gouvernance. Et donc pour les sociétés du négoce de matières premières et du transport maritime qui sont actives dans ces pays, il est absolument fondamental de respecter les droits de l'homme et pour diminuer leurs risques et contrôler leurs risques opérationnels et leurs risques de réputation. Le défi à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de ces pays hôtes sont dépendants des investissements étrangers. Une ambassadrice de Sierra Leone nous a dit qu'un pays qui sort de la guerre et qui est tributaire des investissements étrangers pour pouvoir se développer, ne mettra pas des règles en place qui risquent de faire fuir ces entreprises. C'est ça le grand défi à l'heure actuelle. Just as the Swiss government can play a role of an arbitrator in our discussions, in our engagement with local stakeholders. The people in Switzerland also hold us to a particular standard that we must make sure we adhere to, being reliable, being trustworthy, being a partner. Die Strategie gibt uns eine Handlungsvorgabe. Die Wirtschaft hat natürlich eine wichtige Rolle, in erster Linie, wo es darum geht, dass eben auch gewisse Regeln für die Wirtschaft gelten. Und das mindestens gleich wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft auch ein Garant ist für eine gewisse Transparenz solcher Prozesse. Die Zivilgesellschaft kann wirklich sich auch für Prinzipien einsetzen, was für Regierungen nicht immer ganz so einfach ist. Très souvent, le premier motif de beaucoup d'acteurs armés non étatiques qu'on engage, de prendre les armes, c'est pour défendre les droits. Donc le respect des droits de l'homme et d'essayer vraiment d'en faire quelque chose de respecter sur le terrain, je pense que c'est un outil de prévention aussi extrêmement important dans les conflits d'aujourd'hui. Human rights are at the core of state maintenance, state building, state repair, and as such crucial to all governments.